It seems to be a great festival. It will definitely be good music. Une musique populaire mais savante. If you're missing the show tonight, then make sure that you catch the next one. Joël Alouche, en effet, je suis né en Algérie, dans Kabylie, en 1960. Et je suis donc musicien, je fais de la musique depuis fin des années 70. Aujourd'hui, je présente ce quintet, un hommage à Tony Williams sur deux périodes, c'est-à-dire sa période avec Miles et sa période électrique, le Lifetime. Avec un grand bonheur d'avoir à mes côtés deux demoiselles, dont une qui est assez connue ici à Toulouse, R.L. Besson, à la trompette, une très jeune talentueuse contrebassiste qui s'appelle Gabrielle Colofer, qui habite à Montpellier, un pianiste qui habite à Montpellier depuis quelques années, qui s'appelle Rémi Ploton, un jeune pianiste, et un grand ami, un grand monsieur, un saxophoniste qui s'appelle Pierre-Olivier Gauvin. Et on est dans les débuts des années 60 et là j'ai vraiment été, comme tout le monde, choqué, j'ai envie de dire. Il a eu une façon de driver le groupe, voilà, d'une maturité incroyable à 17 ans. Et après, surtout, de l'avoir écouté aussi également. Moi, je l'ai écouté, je ne l'ai pas écouté avec Miles Davis, mais je l'ai écouté dans cette période plutôt électrique, le Lifetime. Et là, j'ai réalisé qu'il avait vraiment fait pour moi la synthèse de la batterie, ce qu'on peut imaginer d'un instrument. Il a vraiment exploité la batterie, il nous a donné du fil à retordre pour des siècles, finalement. C'est déjà le travail que fait chacun avec cette appellation du jazz, c'est ça qui est intéressant. Ça fait quand même plusieurs années que je partage la scène avec cette musique-là. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est un peu la surprise aussi d'être surpris encore aujourd'hui. Et c'est le cas ici à Toulouse, comme dans d'autres festivals, de pouvoir découvrir des jeunes talents qui finalement font la synthèse de nos mentors, de nos maîtres, de Miles, de Ellington, Basie. Donc voilà, j'attends un peu toujours cette surprise-là, et pour moi-même et pour les gens qui sont ici. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'être à la maison, assis sur son fauteuil, à écouter de la musique, à zapper. On fait beaucoup de zapping, mais je pense que rien ne vaut le live. Même moi aujourd'hui qui suis de l'autre côté de la scène, j'ai toujours envie, c'est comme aller voir un cinéma. C'est mieux d'être au cinéma plutôt que d'aller écouter un DVD. Donc continuez à aller voir la musique, à aller écouter la musique, on a besoin de vous, bien entendu.